Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine avec notre invité, Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'OREP. Vous savez tous, en ce moment, c'est un peu haro sur la Chine. On a des annonces renouvelées de son effondrement. Est-elle réellement au bord du gouffre? C'est ce que nous allons tenter de voir avec Pierre. Mais avant, pour nous soutenir, parce que nous sommes une chaîne indépendante, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Alors, on retrouve tout de suite Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Comme je le disais en introduction, en ce moment, la Chine a très mauvaise presse. Alors, on a eu des chiffres encourageants tout de même au mois d'août. On a une production industrielle qui a rebondi, des ventes au détail qui se sont également redressées. Mais deux chiffres ne font pas une tendance. Alors, ma question va être un peu abrupte. Pierre, la Chine est-elle finie? Votre question caractérise bien finalement l'époque dans laquelle on vit, à savoir que on porte nu un certain nombre de sujets, puis ensuite on les brûle. Non, la vie n'est faite ni de noir ni de blanc, n'est que nuance de gris. La réalité en fait de la tendance chinoise actuelle, c'est qu'elle est décevante, tout simplement parce qu'on a probablement trop attendu d'un phénomène qui s'est passé en fin d'année dernière concernant ce pays, à savoir la fin de la stratégie zéro Covid. Et donc cette fin de la stratégie zéro Covid nous a fait croire, nous occidentaux, que comme nous l'avons vécu quelques trimestres auparavant, eh bien, la fin de cette mise sous l'économie sous cloche aurait permis d'avoir des chiffres qui étaient des chiffres caracolants, très très bons chiffres de reprise de l'économie chinoise. Eh bien, là, pour le coup, d'ailleurs, tout le monde l'attendait, eh bien, en fait, ça a duré, mais ça a duré 3 mois. 3 mois, puis ensuite, les chiffres, effectivement, sont revenus finalement sur une tendance qui était la leur depuis la fin des années 2010, en réalité. Et c'est un peu le sujet. Donc, attention à ne pas brûler finalement ce qu'on a considéré comme être au top par le passé. Ce qu'on est en train de vivre, c'est finalement une Chine qui a bien du mal à redevenir la locomotive de l'économie mondiale telle qu'elle l'a été au cours des deux décennies précédentes. Et on reverra ensemble, est-ce normal ou pas? Mais attention, on n'est pas face à un effondrement. Encore une fois, là, on parle de croissance en Chine. On parle de, alors que chez nous, on Alors, vous s'inquiète. dites pas effondrement, Pierre, mais on a tout de même une crise immobilière qui bat son plein. Elle se diffuse, a priori. On a un PMI sous les 50. Vous savez que les 50, ça, je le dis pour notre public, c'est la ligne de démarcation. Au-dessus des 50, on est en croissance. Et sous les 50, cet indice des directeurs d'achat traduit une contraction de l'activité. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, moi, je veux bien que ça soit finalement un retour à la normale, mais on a tout de même une dégradation. Oui, on a une dégradation, c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait les chiffres sont décevants. Alors, deux éléments qui permettent de nuancer quand même votre propos, j'ai bien senti Vincent, vous avez envie de dire que c'est fini la Chine. Hein? Bon, mais Non, je n'ai pas je... particulièrement envie de dire ça, Pierre, j'essaie de comprendre. Très bien. Non, alors, donc sur le PMI, on a des chiffres décevants. Alors, premièrement, qui font suite tout de même à de très bons chiffres accumulés en 2021-2022, tout de même. Ça, et on va revenir là-dessus parce que c'est un élément important. Si aujourd'hui on a des chiffres décevants, c'est parce qu'hier, on va dire, ou avant-hier, ils étaient en fait aussi très bons. Donc, il y a un effet de base qui n'est pas forcément très positif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le diable se cache dans les détails. L'indice PMI global, tel que vous le mentionnez aujourd'hui, il traduit en réalité une économie mondiale qui est en train de ralentir, hein, plus qu'une problématique chinoise. Et lorsqu'on regarde même dans le détail des entreprises chinoises selon leur taille, c'est en fait la vie d'une entreprise n'est pas tout à fait la même lorsqu'on est une très grosse entreprise, une entreprise de taille moyenne, une petite entreprise. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, et ça vous le savez aussi bien que moi, depuis le début d'année, les autorités chinoises ne sont pas restées les bras ballants. Elles essayent à travers tout un tas d'actions de relancer la machine. On reviendra un petit peu dans le détail plus tard, si vous le souhaitez, pour énumérer les actions que les autorités chinoises ont mises en place, qu'elles soient monétaires ou budgétaires. Mais qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on regarde les indicateurs que vous évoquez, les indicateurs PMI par taille d'entreprise? On constate que d'ores et déjà depuis quelques mois, les très grosses entreprises sont probablement celles qui bénéficient en premier chef des éléments de relance mis en place par les autorités, eh bien, on voit que le point bas a déjà été atteint, donc elles sont en train progressivement de remonter. Les entreprises de taille intermédiaire, eh bien, elles aussi ont atteint leur point bas un peu plus tard, donc quelques mois plus tard. Donc, et même les petites entreprises aujourd'hui semblent avoir atteint un point bas, à savoir que oui, on est sur des chiffres qui sont décevants, mais on n'est pas face à un effondrement. Et lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail les entreprises chinoises en fonction de leur taille, eh bien, on constate que les principales ont probablement déjà touché le fond et donc avancent à un rythme certes modéré, mais continuent d'avancer. Voilà.
Donc, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la panacée. Je vous dis simplement, attention, la vie n'est pas faite ni de blanc ni de noir. Elle n'est que nuance de gris. Et aujourd'hui, on est sur une tendance décevante, mais qui ne traduit pas un effondrement en fait, de l'économie chinoise actuelle. Alors, vous savez, c'est compliqué lorsqu'on on parle des États-Unis, de la Chine. Les gens ont presque envie soit qu'un pays avance, soit qu'un pays tombe. Non, la réalité de l'économie mondiale, ce n'est pas celle-ci. Hein, donc, l'économie chinoise aujourd'hui ralentit, déçoit, mais ne s'effondre pas. Bon, ce qui est intéressant dans votre propos, Pierre, c'est que vous dites, bon, finalement, la Chine ne s'écroule pas, bien qu'on ait une demande interne un peu faiblarde, c'est ça? C'est exactement cela. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup plus s'interroger sur la tendance structurelle de la demande interne chinoise, parce que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de se poser cette question toute simple. Est-ce que l'économie chinoise, qui a été notre locomotive à tous pendant 20 ans, aujourd'hui peut le redevenir? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la demande interne chinoise est faible. Lorsqu'on regarde les ventes au détail, les ventes même plus dans le détail pour le coup, les ventes électroménagers, tout ça en fait déçoit. On est plutôt sur des niveaux de décroissance. Alors, c'est pas très grave, mais c'est quand même un état de fait. Alors, l'origine finalement de cette faiblesse de la demande interne, pour nous, elle est très liée au fait qu'on n'a pas bien saisi à quel point la crise sanitaire a constitué un effet d'aubaine pour l'économie chinoise. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais la réalité des chiffres est là. Lorsqu'on regarde l'évolution de l'économie chinoise au cours des deux dernières années, elle a été portée par quoi? Par l'extraordinaire rebond de son commerce extérieur. Pas qu'en termes de balance commerciale d'ailleurs, hein, en termes de proportion. Et donc, qu'est-ce que ça a généré? Mais ça a généré un effet richesse incroyable, parce que quand vous exportez beaucoup plus que par le passé, eh bien, en fait, votre outil de production tourne à plein. Donc, bah, les gens, en fait, donc vous gagnez de l'argent parce que vous exportez plus que vous n'importez. Donc, les entreprises, en fait, ont des marges qui sont plus intéressantes, plus importantes. Et par ailleurs, si votre outil de production tourne à plein parce que vous avez plein de clients en externe, eh bien, vous embauchez beaucoup de monde. Hein, parce que pour faire tourner les usines, il faut encore des bons hommes ou des bonnes femmes. Et du coup, naturellement, ces gens qui travaillent dans ces usines-là, qui sont pleines à craquer, eh bien, vous leur distribuez des revenus. Et c'est ces revenus-là que vous retrouvez dans la demande et qui font la demande interne des Chinois. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 2021, en 2022, le commerce chinois a été extraordinairement bien orienté. Et ça a été la locomotive et le moteur de l'économie chinoise au cours des dernières années. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de normalisation. Finalement, la crise sanitaire finit par disparaître en termes de conséquences économiques. Donc, cette disparition-là amène à une forme de normalisation. Et donc, on est face aujourd'hui à un commerce extérieur chinois qui est en train de se normaliser. En d'autres termes, les exportations baissent. Les importations aussi, ce qui veut dire d'ailleurs, grosso modo, si les importations baissent autant que les exportations, la balance commerciale chinoise reste d'ailleurs tout aussi positive qu'en 2022 ou en 2021. Mais lorsque les exportations baissent et les importations baissent, ça veut aussi dire que les usines chinoises tournent moins vite. Si elles tournent moins vite, eh bien, les entreprises, si elles tournent moins vite, c'est-à-dire qu'elles ont besoin aussi de moins de monde. Et si elles ont besoin de moins de monde, ça fait monter le taux de chômage. Ça fait référence d'ailleurs, vous savez, à cette fameuse statistique du taux de chômage des jeunes qui aurait explosé depuis le début de l'année. C'est logique, parce qu'à partir du moment où le commerce extérieur chinois eh bien, ralentit, les entreprises ont moins de clients, donc exportent moins, mais du coup aussi importent moins, donc elles protègent leurs marges en faisant quoi? Finalement, en licenciant ou en ne prenant plus les intérimaires qu'elles prenaient jusqu'à maintenant, et ça fait monter le taux de chômage. Alors, je sais que ça a fait sourire certains. Quand le taux de chômage monte trop, le taux de chômage des jeunes monte trop en Chine, eh bien, on ne publie plus la statistique. C'est vrai. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que cette augmentation-là, elle n'est que la conséquence de la normalisation d'un pan d'économie chinoise qui a été boosté par la crise sanitaire essentielle. Si on veut aller au bout du raisonnement, hein, tout ça ayant été du coup autorisé par les banques centrales américaines et européennes qui ont subventionné la demande finale américaine et européenne, et la demande finale européenne et américaine, elle achète quoi? Elle achète des biens qui sont fabriqués en Chine. Même si on le déplore. Ça, on peut l'illustrer peut-être, Pierre, parce que la démonstration, elle est limpide, mais c'est peut-être bien d'appuyer par quelques graphiques et des images. Parce que ce que vous dites finalement, c'est qu'en effet, on a eu, il faut qu'on s'en souvienne, une explosion de la demande de biens, puisque les gens étaient confinés chez eux, pouvaient plus consommer de services, et qu'en plus, leur pouvoir d'achat était soutenu par les déficits publics. Donc,
Une bonne illustration de ça, c'est peut-être justement le Baltic Freight Index, hein, l'indice du fret mondial. Et on voit là apparaître à l'écran finalement une courbe qui est parlante. Qui est parlante, puisqu'on a eu une explosion du prix du fret, bien logiquement, puisqu'on a eu une demande de biens qui a bondi dans des proportions gargantuesques. Donc ça, ça a bénéficié évidemment à tout le commerce international. Ça s'est traduit, vous l'avez dit, par un surcroît finalement d'activité commerciale sur les marchés étrangers pour la Chine. Et c'est un autre graphique, là, ce sont les exportations chinoises. Alors, encore une fois, c'est un graphique intéressant et que vous nous aviez fourni au préalable. C'est un graphique très intéressant parce que là, on voit bien cet excès par rapport à ce qui a eu lieu, a eu cours les années précédentes. Absolument. En fait, et ça, c'est intéressant quand même que les gens l'aient bien en tête. On n'est pas en 2021-2022 en Chine sur un phénomène de rattrapage. Et là, vous l'avez, c'est une très, très belle illustration. On a eu, certes, un à-coup associé à la crise sanitaire du temps, en fait, là où, en gros, on était sur le summum de l'intensité de la crise sanitaire. Mais là, en l'occurrence, on a atteint des niveaux en termes de volume d'exportation qui n'ont strictement rien à voir avec ceux de 2019-2020, les années précédentes. Hein. Donc, on n'était pas sur un phénomène de rattrapage. Là, quand je parlais tout à l'heure d'effet d'aubaine pour l'économie chinoise, c'est véritablement cela. Et donc, je le redis, finalement, nos réactions et nos réponses exceptionnelles à la crise sanitaire ont en réalité d'abord et avant tout financé le commerce extérieur chinois. Ça a été évidemment un levier sur lequel les autorités du pays se sont appuyées. Et naturellement, avec la sortie des banques centrales occidentales de leur politique exceptionnelle mise en place du temps de la crise sanitaire, et d'ailleurs, elles ont mis du temps en fait à en sortir, eh bien, naturellement, vous avez une normalisation de ce commerce extérieur, sans parler évidemment des nouveaux thèmes qui n'en étaient pas en fait avant la crise sanitaire, associés aux tensions géopolitiques. Aux tensions géopolitiques qui, naturellement, la crise sanitaire ayant été si brutale, nous a fait oublier le monde dans lequel on était au cours de la fin de la décennie 2010. Eh bien, la crise sanitaire s'éloignant, naturellement, les thématiques de l'époque ressurgissent. Et je rappelle que les thématiques de l'époque, c'est quoi? C'est en réalité les prémices d'une néo-guerre froide, plus économique que militaire, quoique, hein, puisqu'on a quand même des velléités aujourd'hui qui sont assez fortes dans ce domaine, et avec des tensions géopolitiques qui sont quand même assez bien illustrées à travers une tension entre qui? Entre les États-Unis d'une part et la Chine d'autre part. Donc vous avez deux phénomènes importants qui font la normalisation du commerce extérieur chinois et qui expliquent les déceptions qu'on connaît aujourd'hui. Un, une normalisation naturelle. L'effet d'aubaine généré par la crise sanitaire a fait exploser en fait le commerce extérieur, a donné beaucoup beaucoup d'emplois, donc beaucoup de revenus aux Chinois. Naturellement, cela disparaissant, on a plus de chômage, moins de revenus, une demande interne un peu faible. Plus, mais la nouvelle thématique qui était celle en fait du passé aussi, des tensions géopolitiques avec une guerre intestine pour l'hégémonie mondiale, hein, faut le dire en ces termes, entre la Chine et les États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, en fait, on voit bien que le commerce bilatéral entre ces deux pays est en train, en fait, là aussi, de subir les conséquences du retour en force de ces tensions géopolitiques. Et donc, je crois que je vous ai fourni l'évolution des exportations totales. Absolument, et c'est un graphique qui apparaît, donc c'est un graphique très parlant, puisqu'on a les exportations totales chinoises, ça c'est une première courbe, et la seconde, ce sont les exportations chinoises en direction des États-Unis. Et comme vous le disiez, c'est l'idée force, je trouve, de votre propos, c'est que vous nous dites, finalement, là, les déboires de la Chine sont en partie dus, en partie, puisqu'on va revenir sur d'autres points tout de même assez cruciaux, mais sont en partie dus à une normalisation, c'est-à-dire à un retour à la période anté-Covid. Et on le voit même donc, dans les exportations à destination des États-Unis. On voit bien que la tendance était à la baisse avant la crise sanitaire et qu'on retourne finalement à cette tendance aujourd'hui, puisqu'on se souvient que la question de la taxation des produits chinois a été soulevée sous l'administration Trump. Et c'était une question qui a occupé l'actualité pendant de nombreux mois. Et la crise sanitaire aujourd'hui.
tout comme elle comme le est aujourd'hui à travers les tensions sur les semi-conducteurs, et j'interdis d'un côté et j'interdis de l'autre, etc. Et donc tout ça se traduit par cela, à savoir donc deux phénomènes importants pour comprendre la situation actuelle, parce que c'est ça le sujet. Qu'est-ce qui est de l'exceptionnel? Qu'est-ce qui est du structurel? Deux éléments déjà qui expliquent les chiffres décevants de la demande interne. La demande interne a été subventionnée par la demande externe en 2021-2022. Ça, c'est terminé parce que c'était les conséquences de notre réponse, nous occidentaux, à la crise sanitaire. C'est derrière nous. Et deuxième point, des tensions géopolitiques qui reprennent le dessus, avec notamment eh bien, les couteaux qui s'affûtent entre les États-Unis d'une part et la Chine d'autre part. Et je l'illustrerai tout de même pour être complètement convaincu de cela, que ces tensions géopolitiques ont véritablement refait surface. Je rappelle tout de même qu'au G20 qui vient de se terminer, le seul sujet qu'il faut retenir, c'est tout de même en gros, le forcing des États-Unis pour créer en fait un concurrent à la nouvelle route de la soie voulue par la Chine depuis maintenant quelques années. Alors, finalement, on pourrait redire beaucoup de choses sur le sujet, mais là, concrètement, c'est quoi? C'est les États-Unis qui tentent de faire une coalition entre l'Inde, l'Arabie Saoudite et l'Europe pour finalement créer un concurrent, presque, j'ai envie de dire, au la Chine. Donc, à la Chine, à la nouvelle route de la soie de la Chine. Qui de mieux ou quoi de mieux pour illustrer le retour en fort des tensions géopolitiques, alors qui d'ailleurs, à travers le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avait déjà aussi émergé. Hein. On est vraiment face, alors on était dans les prémices, probablement à la fin des années 2010, avec uniquement un critère purement commercial, eh bien le commercial devient de plus en plus économique dans son ensemble, puisque là on parle d'infrastructure, hein, d'infrastructure, nouvelle route de la soie, concurrent occidental, jusqu'à même des problématiques militaires avec le gonflement des budgets de dépenses militaires maintenant qui n'arrêtent pas en fait d'augmenter depuis l'année dernière. Bon, je reviens donc déjà à la première idée, c'est, vous nous dites qu'il y a eu une sorte d'effet d'aubaine avec la crise de la Covid, il y a eu une stimulation du commerce extérieur chinois. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça c'est une autre idée qu'il faut retenir, c'est que la Chine peut conserver une balance commerciale positive et elle va le faire, mais la taille de ce commerce a tendance à se réduire, ce qui a un effet qui se diffuse dans l'économie et on le voit avec en effet le chômage des jeunes qui a remonté. Donc en gros, on produit moins pour exporter moins et tout en préservant ses marges. Voilà, exactement. Alors juste un élément important pour parce que les chiffres en fait ont la dent dure et exprime bien cela, regardez un élément pour savoir quel est le poids du commerce international, du commerce extérieur dans une économie par rapport en fait à l'ensemble de la richesse créée. C'est pas que la balance commerciale. Je rappelle, la balance commerciale, c'est vous regardez ce qui sort par rapport à ce qui rentre. Et donc là, on dit si c'est positif, ben, ça veut dire que vous importez de la richesse dans votre pays en provenance du reste du monde. Ça, c'est comptablement, c'est une partie du PIB, mais c'est toujours quelques pourcents de PIB. Mais la vérité, c'est que le commerce ou la vivacité ou l'ampleur du commerce international dans la richesse créée d'un pays est très différente de cela à travers les emplois générés grâce à ce commerce extérieur dans votre zone, qui, je le répète, permettent de distribuer des revenus qui ensuite sont consommés pour acheter des biens, des services, etc. etc. Et là, pour avoir en tête quand même les phénomènes dont je parlais tout à l'heure, la somme des importations et des exportations en pourcentage de la richesse créée en Chine, à la fin des années 2010, c'est autour de 60, 61, 62 points de PIB. Okay. En 2021 et 2022, ce 61 à 62 points de PIB, donc c'est l'ensemble du volume export plus import, est passé à 74 points de PIB. 61, 74, plus 13 points de PIB. Ça, quand je vous dis que c'est un élément extrêmement important pour comprendre pourquoi finalement l'économie chinoise, d'ailleurs rappelons-nous, hein, au préalable, on disait toujours incroyable, l'économie chinoise résiste mieux qu'ailleurs, repart plus qu'ailleurs. C'est aussi parce qu'elle a bénéficié, et la demande interne chinoise a bénéficié de cette explosion quand même du poids du commerce extérieur dans son économie, le temps, encore une fois, de la crise sanitaire. 61 points de PIB, 74 points de PIB, c'est plus 13 points de PIB. Donc vous comprenez que naturellement, là on va, et c'est ce que je suis en train de vous dire, on va probablement vers une normalisation légitime de ce 74 points de PIB. Il n'y a strictement aucune raison pour qu'ils ne retendent pas structurellement vers au moins 65 points de PIB. Donc, c'est ça, en fait, qu'on est en train de vivre là. Bon. Donc, on a cette normalisation qui explique la faiblesse de la demande en interne. Très bien. Mais ce n'est pas la seule explication. Alors, on ne va pas non plus occulter la crise immobilière qui sévit. Et elle est d'importance. Depuis 3 ans, elle fait la une des journaux, à raison,
Surtout que l'immobilier est un actif prépondérant dans le patrimoine des ménages chinois. Et ça aussi, ça explique la faiblesse de la demande. Quand on se désendette, puisque là, on est tout même dans une économie qui a été très endettée, je suppose que vous allez développer sur le sujet, Pierre, mais on réduit finalement aussi toutes ces dépenses. Et là, avec ce qui se passe sur l'immobilier, on a un bon motif. Oui, évidemment. Alors, maintenant, l'important était de savoir, il faut toujours prioriser en fait les sujets les uns par rapport aux autres pour essayer d'identifier ceux qui ont plus d'importance. Ouais, ce n'est pas toujours ceux qu'on a en tête. Vous parlez de la crise immobilière. Premièrement, la crise immobilière, elle n'est pas là depuis aujourd'hui. Elle est déjà là en fait depuis un paquet de temps. Je rappelle Evergrande, promoteur immobilier en fait chinois, qui a fait la une des journaux maintenant depuis plus de 2 ans, est déjà en difficulté depuis longtemps. Le marché du neuf et de la construction en Chine, il est à l'arrêt depuis longtemps. Alors là, on a à nouveau en fait, et vous aurez encore en fait au fil du temps et au fil des années des promoteurs qui seront en difficulté. Là, vous avez Country Garden, un très gros promoteur parmi les très grosses entreprises au niveau mondial qui est en difficulté. Oui, c'est vrai que la dette de Country Garden plus Evergrande, c'est près de 500 milliards de dollars, donc c'est extrêmement important, mais c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, c'est le premier point. Et ça traduit quoi? Ça traduit quelque chose qui est plus structurel que conjoncturel. C'est pour ça que je pense que les gens aujourd'hui surestiment l'impact que ça a aujourd'hui concrètement sur les chiffres qui nous viennent et qui sont issus en fait de l'économie chinoise. Ce que ça traduit simplement que la Chine doit changer. Que le moteur de l'économie chinoise, notamment dans les années 2010, et a beaucoup trop reposé sur de l'investissement, et je vais même aller plus loin, sur du surinvestissement. Alors pourquoi je dis surinvestissement? Le surinvestissement, c'est quand vous investissez plus que ce que en capacité en fait de digérer votre propre population. C'est ça le surinvestissement qui amène une surcapacité de production et qui à la fin, qui amène à un excès de concurrence par rapport à la demande finale et qui en général finit dans la déflation et les faillites. C'est ce que aujourd'hui est en train de vivre l'économie chinoise, mais ça, ce que je veux dire, c'est pas conjoncturel, c'est déjà le cas depuis 2 à 3 ans. Elle doit gérer une crise associée à son surinvestissement pendant 10 ans. Il faut avoir en tête que une bonne partie de la richesse qui a été accumulée au cours des années 2010 vient justement du poids de l'investissement dans l'économie chinoise. Eh bien, naturellement, ce surinvestissement, il était financé par quoi? Par de la dette. Eh bien, naturellement, quand vous êtes en situation où il y a une surcapacité de production et qu'on a des entreprises qui produisent plus que ce que les gens ne consomment, eh bien, vous devez purger ces surcapacités de production et purger le surendettement qui est adossé. Et donc, en fait, on est dans ce moment-là. Mais c'est, s'il fallait que je le dise en termes comptables, ça, c'est une crise au long cours qui sera gérée, et qui est gérée d'ailleurs par les autorités avec une grande attention, mais c'est une crise de bilan. C'est pas une crise de compte des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez trop investi dans des actifs, à l'actif, du côté de l'actif de votre bilan, et en face, vous avez trop de dettes pour avoir financé en fait cet actif du côté de votre passif. Ça, c'est traditionnellement en fait associé à une politique de surinvestissement pour booster en fait sa croissance. Ça a été le cas durant les années 2010. Mais je tiens quand même à signaler que ça fait déjà 3 ans que les autorités sont au chevet des entreprises qui en souffrent. Alors, c'est long, ça sera long. On résorbe pas, on n'orchestre pas la purge des surcapacités de production et de surendettement du jour au lendemain. Mais la force est de constater quand même que sur ce plan, les Chinois sont assez habile, puisqu'on pourrait avoir une crise immobilière du type 2007-2008, telle qu'on les a connues nous chez les Occidentaux, mais non, parce que dès à présent, et depuis maintenant un certain nombre d'années, dès que vous avez un promoteur, parce que ça réarrivera, un promoteur qui dit « Ah !» et qui lève le doigt, qui dit « Ça y est, moi, ça va plus », d'une certaine manière, les autorités orchestrent cette purge pour éviter que le bébé coule avec l'eau du bain et avoir des effets d'entraînement qui soient négatifs. Donc, 2 éléments de compréhension par rapport à la crise immobilière. Elle est là. Elle traduit plus globalement une crise du surinvestissement alimenté par du surendettement, mais depuis entre 2000, on va dire, réponse à la crise de 2008-2009, donc entre 2010 et 2020. Depuis 3 ans, c'est fini. Et les autorités essayent d'orchestrer, en fait, cette purge. C'est compliqué, c'est long, ça casse un peu le moral, et c'est là où vous avez raison. Ça contribue aussi au fait que la demande interne ne caracole pas. Parce que naturellement, quand vous avez une bonne partie de votre patrimoine qui est dans l'immobilier, vous êtes inquiet. Voilà. Alors attention, les autorités ne sont pas les bras ballants face à ça tout de même.
C'est ce que j'allais dire, Pierre. Est-ce que, puisque on a un discours qui est extrêmement noir et qui est un peu conditionné aussi peut-être par les tensions géopolitiques. Hein. Quand on lit la presse anglo-saxonne, c'est vraiment à chaque fois, on tire à boulet rouge sur la Chine. Alors, sans vouloir être angélique non plus, est-ce que les autorités chinoises ne disposent pas tout de même des moyens finalement de soutenir leur économie? On a de par le monde des banques centrales qui ont plutôt des politiques restrictives. En Chine, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que ça peut pas permettre finalement d'accompagner cette crise de la meilleure façon qui soit? Alors, juste, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que quand nous sommes en train d'orchestrer des politiques monétaires pour purger nos excès de la crise sanitaire à nous, hein, savoir avoir dit à tout le monde c'est open bar sans avoir aucune considération en fait, de retour sur investissement à avoir en tête, ce qui a amené en fait aux tensions inflationnistes contre lesquelles maintenant on se met à lutter avec retard évidemment. Mais eux, c'est pas du tout le cas. Quand je vous dis que les autorités sont au chevet des acteurs que sont les entreprises d'une part qui sont en difficulté, pas parce qu'elles les aiment, mais parce que simplement elles ne veulent pas rentrer dans un cercle déflationniste qui deviendrait pour le coup impossible à gérer pour elles. Ça, juste un petit, d'ailleurs une toute petite digression, rappelons-nous tout de même que la Chine, c'est pas chez nous. Il existe un deal implicite entre les autorités chinoises, le Parti communiste, et la population. Et ça, le Parti communiste en est tout à fait conscient. Pour que la population ne remette pas en question la légitimité d'un pouvoir autoritaire, qui est celui du Parti communiste, eh bien, le pouvoir se doit de gérer l'économie du mieux qu'elle peut. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez, et vous le voyez déjà, l'économie chinoise, elle est beaucoup plus pilotée et gérée avec des considérations internes, c'est-à-dire avec des communications et des actions qui sont menées pour répondre aux problématiques internes, qu'externes, alors que en Occident, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on est vraiment sur un pays qui est focalisé sur lui-même. Et c'est pour ça que les autorités... C'est le fameux thème de la prospérité commune. Voilà. Oui, après, il ne faut pas être dupe. Hein. C'est parce que si jamais ce n'est pas le cas, les tensions sociales inhérentes à une situation où on n'est pas assez de prospérité pour que tout le monde puisse un peu en bénéficier, font toujours sauter les pouvoirs autoritaires. Hein, donc, en général, voilà, sauf à ce que les autorités chinoises aient une tendance à vouloir scier la branche sur laquelle elles sont assises, elles ne le sont pas. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le sens des actions des autorités. Donc, simplement pour revenir à cela, les promoteurs immobiliers sont gérés et pilotés en réalité par les autorités. Donc, c'est à peu près toujours le cas. Donc, ça, c'est un élément majeur. Deuxièmement, face aux difficultés que rencontre l'ensemble du tissu entrepreneurial chinois, parce que je répète, ce n'est pas une crise qui n'est que l'immobilière. C'est une crise du surinvestissement en général dans tous les secteurs d'activité et du surendettement. Qu'est-ce que font les autorités chinoises? Au lieu de monter leurs taux, elles les baissent. Alors, donc, elles les baissent. Pourquoi? Pour essayer, en fait, de rendre les conditions de financement plus supportables pour des acteurs qui sont en difficulté et qui doivent, en fait, arriver à purger leur excès d'endettement passé. Alors, la difficulté actuelle là des autorités, c'est que ça marche pas tout de suite, et c'est pas très efficace pour deux raisons. Un, quand vous baissez vos taux, ce qui compte, c'est pas tellement le taux nominal, c'est aussi le taux réel. Donc, si vous baissez vos taux et qu'il y a un peu d'inflation, le taux réel est négatif, donc ça veut dire que vous mettez le paquet. Mais quand vous baissez vos taux, mais que dans le même temps, il n'y a pas d'inflation, voire même il y a un peu de déflation, il y a des prix qui baissent, eh bien votre taux réel baisse pas vraiment. C'est pour ça que ça n'a pas un impact qui se voit tout de suite en fait, dans l'économie réelle. Mais bon, il n'empêche que la baisse des taux nominaux, c'est vraiment la volonté pour les autorités chinoises, monétaires, de faciliter pour l'ensemble du tissu entrepreneurial chinois et des ménages chinois leur désendettement de manière la moins douloureuse possible. Question tout de même. Oui. Pardon Pierre, est-ce qu'une telle politique peut fonctionner, une telle politique de soutien monétaire peut fonctionner alors que, vous l'avez dit, la Chine est face à une crise du bilan, c'est-à-dire que les acteurs doivent se désendetter. Alors, oui, soyons très clairs, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc, en baissant les taux, la réalité, c'est que les autorités n'incitent pas les gens à investir plus. Ce n'est pas ça le sujet. Parce que quand vous voyez, évidemment, une surcapacité de production, en gros, il y a trop d'usines qui font la même chose et il n'y a pas assez de clients, vous avez beau avoir des taux qui baissent, les gens ne vont pas investir plus. Pour un ménage, vous n'allez pas avoir, quand il y a trop d'immeubles vides, vous n'allez pas vous dire, je vais faire de l'immobilier locatif pour financer ma retraite. Parce qu'il y a déjà trop d'immeubles. Donc, quand vous baissez vos taux, là aussi, il ne faut pas se tromper. L'objectif des autorités, ce n'est pas relancer, en fait, l'investissement pour que l'économie reparte. C'est permettre
la manière la moins douloureuse possible de purger le surinvestissement passé en baissant les taux, eh bien, naturellement, vous allez baisser les charges financières associées à ce surendettement. Et donc, progressivement, vous allez permettre, comme les États-Unis l'ont fait au début des années 2010 tout de même, hein, c'est ce qu'ont fait les États-Unis, pas autrement. Elles s'organisent, les autorités s'organisent pour permettre au tissu privé et public, et surtout privé d'ailleurs, de se désendetter de la manière la moins douloureuse possible pour éviter les effets délétères négatifs qui feraient que, en gros, là, pour le coup, la situation devient incontrôlable. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Là, l'objectif, ce n'est pas investissez plus. L'objectif, c'est permettre de la résorption et la purge de cette crise du bilan, c'est-à-dire trop d'actifs en proportion et versus trop de dettes pour qui a permis de le financer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui fait que là aussi les autorités, faut pas rêver non plus, ça va pas avoir, en fait, ça va être long, hein, ça va être long, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas d'effondrement, mais il y a des autorités qui doivent gérer une situation en fait de surendettement associée à surinvestissement et ça met des années en fait à être réglé. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas forcément d'impact aussi tout de suite, alors qu'on pourrait penser que dès qu'une banque centrale fait quelque chose, on dit voilà les effets immédiats, c'est qu'attention aussi. En Chine, vous avez une proportion non négligeable des investissements qui ont été réalisés non par l'intermédiaire des banques, réseau traditionnel, mais par ce qu'on appelle le shadow banking. Shadow banking, c'est pas autre chose, c'est pas la corruption, c'est pas des dessous de table, c'est pas ça le sujet, hein. C'est que simplement vous avez des véhicules hors bilan des banques, voilà, qui viennent financer l'économie réelle. Donc à travers tout un tas de mécanismes, de trusts, de sociétés, en fait, de véhicules financiers. Et le sujet, c'est que ces autorités, enfin, ces véhicules-là ne sont pas régulés. Ouais, c'est un peu comme le private equity. Enfin, voilà, tout ça chez nous pour avoir quelques références. Et donc, la problématique, en fait, chinoise est que, au cours des 10 dernières années, la proportion du shadow banking en volume est presque aussi grande que la distribution de crédit bancaire. Donc, quand vous baissez vos taux, l'État, lui, gère très, très bien la partie bancaire. Donc, elle baisse ses taux, elle essaye de réinciter, en fait, à la mobilisation de crédit, pas forcément pour investir plus, mais peut-être pour faire tourner le crédit d'avant et qui vous coûte moins cher. Mais il y a quand même une partie qui est du shadow banking. Et là, la baisse des taux nominaux, ça aide pas vraiment. Donc là, c'est pour ça aussi qu'on est dans une situation où l'économie chinoise tous patine parce que ben, les autorités n'ont pas non plus tous les leviers. Ce qu'il faut retenir de la situation des 2 à 3 dernières années, c'est que les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour permettre à la situation d'être la plus lisse, la plus normalisée possible. Mais ils sont pas magiciens. Et en l'occurrence, ils ont quand même une situation difficile à gérer. Donc, ne soyons pas surpris, les chiffres actuels, c'est pas un effondrement, c'est la résorption d'une crise, on va dire, qui était conjoncturelle, alors ça a duré 10 ans, hein, du surinvestissement, du surendettement, que les autorités essaient de gérer du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Alors, vous l'avez dit, donc, pour vous, ce n'est pas un effondrement, la Chine n'est pas finie, très bien. Vous avez parfaitement résumé là... votre propos, c'est-à-dire qu'il y a eu ce retour à la normale plus le dégonflement de ce surinvestissement qu'il faut piloter. Après, on a un défi tout de même de taille qui se pose dans les années à venir. On en a déjà discuté, mais on ne peut pas ne pas l'évoquer quand on parle de la Chine, parce que là, il se rajoute au reste, c'est le défi démographique. Alors, ce sera probablement le plus grand challenge que les autorités chinoises ont relevé de leur histoire, ce défi démographique. Pourquoi ? Parce que, premièrement, en général, alors le défi démographique des Chinois, c'est très simple. Hein. C'est un pays qui vieillit à une vitesse extraordinaire. Un pays qui doit assumer une transition démographique qui est à l'image de ce pays, qui sait prendre des décisions d'une brutalité sans nom, qu'aucun pays au monde n'est capable de faire. Alors, et qui va avoir à subir les conséquences de la manière dont il a orchestré sa transition démographique. Donc là, je fais un tout petit peu d'histoire pour que les gens comprennent parfaitement ce dont il s'agit. 1979, donc la Chine est un pays quasi en voie de développement, avec une proportion en fait de jeunes qui est très très importante. Les ménages font beaucoup 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 d'enfants. 1979, politique de l'enfant unique. On passe de 3 à 4 à 1 enfant par ménage. Il faut comprendre ce que ça a comme signification économique, dans un premier temps. Ça génère ce qu'on appelle un dividende démographique. Et là, le dividende démographique, il était extraordinairement brutal et positif pour les Chinois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une population globale dans laquelle il n'y a plus de gens dépendants. Il n'y a plus de gens à charge. Il n'y a quasi que des gens en âge de travailler. Puisqu'il n'y a pas encore de seniors
Et puisque, à partir du moment où vous faites de 3 à 4 enfants par femme, vous passez à 1, il n'y a pas de jeune. Donc, vous n'avez plus d'enfants à charge et pas encore de seniors à charge. Alors, on a un graphique, Pierre. Justement, je vais vous laisser poursuivre. Mais on a un graphique pour illustrer ça. J'aimerais bien que vous appuyiez sur ce graphique pour justement poursuivre votre démonstration. Mais je trouve que, voilà, on prend la mesure de l'ampleur de ce mouvement structurel tectonique avec ce graphique qui… Le taux de dépendance. Voilà, le taux de dépendance. Mesure alors, le... Voilà, taux de je vous laisse le commenter. Alors, le taux de dépendance, il y a deux dimensions au taux d'impédance globale. La dépendance, c'est quoi? C'est compter les gens qui, dans une population, sont dépendants des autres. Savoir, en gros, les inactifs versus les actifs. Qui sont les inactifs? Ils sont de deux ordres. Soit les enfants, donc moins de 20 ans, soit les seniors, prendre plus de 65 ans. Et donc, ce que vous avez, donc, on regarde quoi? On regarde le taux de dépendance. Alors là, c'est, ce sont les moins de 15 ans, hein, Pierre, en l'occurrence. 15 ans, oui, c'est ça. Ça dépend après derrière des pays. On peut avoir des. Mais là, là, c'est moins de 15 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que naturellement, ce que j'évoquais jusqu'à maintenant, la politique de l'enfant unique, elle fait s'effondrer littéralement le taux de dépendance. Pas de seniors, encore, et plus de jeunes. Naturellement, il n'y a que des gens en âge de travailler dans vos populations. Ça, c'est extraordinaire pour une économie, parce que ça veut dire si vous savez leur donner du travail, eh bien, vous avez une puissance de production donc, qui est extraordinaire, une capacité à créer de la richesse qui est extraordinaire, une capacité du coup aussi à distribuer des revenus qui est extraordinaire, le temps où ça durera. Et en fait, le vrai sujet, c'est que depuis maintenant 5 à 10 ans, on commence à voir les balbutiements, un frissonnement du taux de dépendance. Pas des jeunes, hein, pas des enfants, parce que malheureusement, quand vous avez fait baisser de manière très, très virulente et violente le taux de reproduction, hein, à 1, 2, 1, 3, 1, 4, c'est très, très dur en fait de remonter. C'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qui remonte dans le taux de dépendance? C'est le taux de dépendance des seniors. Et il remonte dans des proportions qui sont extraordinairement brutales. Parce que 40 ans plus tard, les gens qui avaient 20 ans à l'époque commencent à avoir 60 ans et à sortir du marché de l'emploi. Et là, ça, c'est un tsunami. C'est un tsunami. Les plus de 65 ans en 2010, ils étaient 9% de la population totale chinoise. Ils sont aujourd'hui 14%. Et c'est que le début. Et donc, on a, et il se passe quoi? Il se passe que du coup, ben, vous avez une population chinoise dont le seul sujet, une économie chinoise, donc des préoccupations des autorités chinoises, dont le seul sujet pendant 30 ans a été une seule chose, donner du travail à une population qui en demande et qui aujourd'hui doit orchestrer en fait une transition démographique qui n'a strictement rien à voir. Le seul sujet des autorités chinoises demain, ce ne sera pas donner du travail à une population en âge de travailler qui décroît déjà depuis 2014. Hein. La population, elle décroît déjà depuis 2014. Mais la seule préoccupation, ce sera comment on fait pour vivre et survivre à, dans le cadre d'une pyramide des âges. Une population dans la pyramide des âges va complètement se déformer pour avoir surtout à gérer un tsunami de seniors qui, par construction, sont inactifs. Et sachez d'ailleurs que les seniors en Chine sont inactifs avant les nôtres. On n'est pas à 64 ans là. C'est-à-dire qu'en Chine, les gens partent à 55, 60 ans. Et donc, on a un vrai sujet de vieillissement de la population chinoise, de manque de financement de ce vieillissement. La question des régimes de retraite qui a été assez contemporaine de nos préoccupations en fait, l'année dernière, début d'année. Ce qui fait que la crise de l'immobilier est encore plus dramatique puisque les gens comptaient sur leurs actifs immobiliers pour financer leur retraite. Oui, et c'est aussi pour ça en fait, qu'on a beaucoup… Alors aussi parce que, bah, il faut aussi l'avouer, hein, pourquoi il y a beaucoup d'immobilier dans le patrimoine des Chinois, c'est parce que les marchés financiers chinois sont moins développés, et c'est à juste titre, que dans les pays occidentaux, puisqu'il y a moins de maturité, moins d'histoire, etc. Donc ça, c'est assez naturel. Mais c'est vrai que le taux d'épargne des Chinois est naturellement plus élevé que chez nous, et c'est logique, quand vous comprenez finalement l'évolution de la pyramide des âges des Chinois. Parce que le taux d'épargne, lorsque vous n'avez pas des régimes de retraite, en gros, lorsqu'on n'a pas provisionné suffisamment pour financer la période d'inactivité associée à la retraite en Chine, eh bien naturellement, qu'est-ce que font les gens? Ils ne sont pas suicidaires. Ben, il s'y prépare. Et ça veut dire que par construction, il est nécessaire d'avoir un taux d'épargne plus élevé du temps de son activité pour financer justement derrière une absence de revenus ou des revenus qui seront insuffisants pour subvenir en fait à ses fins de mois du temps de son inactivité. Donc c'est ça en fait. Alors, on aura le temps d'en reparler si vous êtes d'accord avec ça. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que fondamentalement, le vrai défi des Chinois, c'est pas la crise immobilière, c'est pas la crise du surendettement. Parce que, soyons honnêtes, et rendons à César voilà, ce qui est à César, au cours des 10 à 15 dernières années, les autorités chinoises ont plutôt été des bons pilotes et au chevet de leurs demandes internes. Donc, ils seront probablement en capacité de le faire. C'est sûr que ça ne va pas être des chiffres qui sont mirobolants, moins qu'avant, et c'est logique. Mais le vrai enjeu majeur des Chinois, ça sera à horizon 2025-2030, avoir à
assurer une transition mais phénoménale de leur économie pour adresser cette question du vieillissement, de l'explosion du taux de dépendance, particulièrement du taux de dépendance de seniors, alors que, évidemment, c'est une économie qui ne s'y est pas assez préparée. Voilà, donc ça en fait le vrai enjeu majeur, le vrai enjeu structurel demain, qui fait que par construction, s'il fallait que je résume mon propos et mon point de vue sur la Chine, les points de vue conjoncturels actuels qui disent c'est fini, c'est l'effondrement, etc., bah c'est voilà, c'est le blanc, le noir, c'est pas la vraie vie, ça, hein. Donc non, aujourd'hui les Chinois en fait ne sont pas en train de s'effondrer. La Chine, ce n'est pas fini. La Chine évidemment a un potentiel qui est un potentiel important. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que un, elle a été, ou la situation des Chinois a été un peu améliorée et adoucie par la réponse des Occidentaux à la crise sanitaire. C'est le premier point. Ça, c'est terminé, donc elle peut plus compter dessus. Deux, la Chine doit, depuis maintenant 3 ans, gérer une crise associée au surinvestissement, au surendettement. Les autorités font ce qu'il faut pour le faire, mais forcément, ça pèse un peu aussi sur la demande interne à court terme. Et troisièmement, on est dans un pays dans lequel la démographie devient progressivement, alors qu'elle était très favorablement orientée, lui permettant d'assumer des taux de croissance très élevés, devient progressivement, elle aussi, défavorablement orientée, avec une proportion, en fait, de personnes qui est en augmentation, mais qui est celle qui consomme le moins. Or, la richesse créée repose essentiellement sur la demande interne et la consommation des ménages, à savoir les seniors en Chine. Donc, naturellement, vous avez quand même 3 facteurs qui sont des facteurs aujourd'hui qui expliquent les chiffres décevants de la Chine. Ça ne veut pas dire que la Chine s'effondre. Ça veut dire simplement que les niveaux de croissance, hein, les niveaux de croissance des Chinois vont progressivement se normaliser. Et oui, on peut dire c'est terminé. Il n'y aura plus de croissance. Non, justement. 8% par an. Puisque la Chine arrive à maturité, c'est finalement, moi, c'est ce que je comprends. Hein. Merci. C'est juste un fait pour vous. C'est un élément important. Et ça, il faut que les gens comprennent. C'est pas grave. Mais en gros, la Chine passe d'un statut d'adolescente où elle a pu en fait aller à toute vitesse à un statut mature. Et naturellement, on n'est pas les mêmes hein, lorsqu'on est un adolescent ou lorsqu'on prend un peu d'âge. C'est bien de relativiser, c'est bien nuancé et de pas être en effet dans une vision complètement binaire des choses. Et ça, je vous en sais gré, Pierre, parce que là, on a un point de vue qui est encore une fois nuancé. Néanmoins, la Chine est un acteur primordial du jeu économique mondial. Donc, ces tribulations actuelles, parce qu'on ne va pas non plus, encore une fois, dépeindre une vision, enfin, un tableau irénique où tout va bien. Elle traite ses problèmes, mais adroitement, habilement, mais elle a des problèmes. Qu'est-ce que ça implique déjà pour l'activité dans les autres zones du monde, et notamment l'Europe et les États-Unis? Et puis, qu'est-ce que ça induit évidemment pour nos actifs, c'est-à-dire les actions européennes, les actions américaines et également les marchés de taux chez nous? Alors, traduction pour le reste du monde en termes d'économie mondiale, clairement, le monde et l'économie mondiale perd sa locomotive des 15 dernières années. C'est-à-dire qu'on peut acter le fait que les niveaux de croissance chinois ne permettront pas d'en faire la locomotive de l'économie mondiale. C'est-à-dire, grosso modo, l'économie mondiale va ralentir d'un point de vue structurel parce que la maturité de sa locomotive fait qu'elle ne pourra plus assurer en fait, la même vitesse que par le passé. Donc, ça veut dire que les taux de croissance mondiaux, par construction, vont avoir tendance à diminuer par rapport au passé. Le premier élément que ça doit induire en termes de raisonnement, en termes de conclusion, c'est que naturellement, si l'économie mondiale ralentit, l'inflation, les problématiques inflationnistes peuvent toujours revenir pour des questions en fait de tensions géopolitiques, on peut dire de manière ponctuelle, mais grosso modo, le contexte face à une demande interne mondiale qui a tendance à ralentir partout dans le monde sera donc la question inflationniste va rentrer dans le vent. Ça, c'est quand même un élément majeur. Parce que ça a été le sujet, le seul sujet d'ailleurs, qui nous a occupés pendant presque 2 ans. Vous connaissez notre point de vue sur le sujet. Je le redis aujourd'hui, nous considérons l'épisode inflationniste des 2 dernières années comme, je dirais, les symptômes d'une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle, notamment à la crise sanitaire. Aujourd'hui, la faiblesse et de la Chine et des autres économies occidentales aujourd'hui amène pour nous à re-rentrer dans le rang aussi, avoir une forme de normalisation sur la question inflationniste. Et vous verrez qu'en 2024, on va avoir des soubresauts, hein, mais en 2024, progressivement, on va revenir sur des standards qui étaient les nôtres des années 2010. Donc ça, c'est un élément majeur. Quand je dis normalisation de la Chine, c'est normalisation aussi de toutes les thématiques associées, dont celle-ci. Donc, moins de croissance mondiale, moins d'inflation.
Ça veut dire quand même à terme que ça va rendre la vie un petit peu plus belle à nos, banquiers centraux, qui voilà, naturellement ont été pris de court, et c'est à juste titre d'ailleurs, hein, par les tensions inflationnistes nées de la situation post-Covid, ont été pris de court, donc on réagit avec une brutalité sans nom. Il est probable que d'ici l'année prochaine, et progressivement, elle regagne quelques marges de manœuvre pour redevenir un peu plus market friendly. Donc ça, c'est quand même un élément majeur qui va faire en fait le marché à horizon 2024. Premier point. Donc économie mondiale, moins de croissance en provenance de Chine d'un point de vue structurel, mais aussi moins d'inflation. De la même manière, hein, quand les importations chinoises augmentent moins, c'est-à-dire là aussi, moins de pression sur les matières premières. Hein. C'est classique. C'est le corollaire, c'est l'autre phase de la montagne. Sur les actifs maintenant. Sur les actifs, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'à terme, pour nous, occidentaux, les actifs obligataires devraient bénéficier de cette situation. Parce que s'il y a moins de croissance mondiale, il y a moins d'inflation. S'il y a moins d'inflation, on pourra avoir progressivement des niveaux de taux qui vont se normaliser. Ça veut dire que dès aujourd'hui, les nouveaux taux proposés par les obligations, qu'elles soient souveraines ou d'entreprises américaines et européennes, offrent des niveaux de taux nominaux. Alors, quand je parle d'entreprises, c'est des entreprises bien notées, hein, avec pas de risque associé à un ralentissement conjoncturel. Et oui, pas du haut rendement. Voilà, pas du haut rendement, plutôt d'investissement direct. Donc, on a à nouveau et encore aujourd'hui la chance d'avoir des niveaux de rendement, des niveaux de taux nominaux qui sont suffisamment élevés et qui devraient en fait nous convaincre de recharger en fait du rendement dans les portefeuilles d'un point de vue structurel. Parce que les perspectives que j'évoque aujourd'hui avec vous sont celles de niveaux de croissance plus faibles, d'inflation plus faible, donc naturellement de niveaux de taux qui vont progressivement se normaliser eux aussi. Seulement, la normalisation ne se fait pas à la même vitesse sur tous les sujets. Donc, des obligations qui sont plutôt à favoriser dans un patrimoine. Sur les actifs risqués, sur les actions, la question fondamentale sur les marchés actions, c'est que vous savez, hein, les marchés financiers, sur les marchés actions, les investisseurs, c'est pas ce qui se passe, ils aiment voir, c'est ce qui va se passer. Et c'est là, en fait, on a peut-être un raisonnement qui voilà, il faut prendre le temps quand même de l'expliquer parce que c'est pas complètement naturel. La problématique aujourd'hui des marchés actions européens et américains, elle est toute simple, c'est qu'elle n'intègre aucune mauvaise nouvelle, aucune. On est sur des niveaux de valorisation, des niveaux de prix qui sont des niveaux qui sont très élevés, dans un contexte quand même de ralentissement de l'économie mondiale piloté par tout le monde. Ralentissement, même si c'est pas dramatique, hein, ralentissement américain, ralentissement européen plus prononcé, ralentissement chinois, on l'a évoqué, il est structurel, moins conjoncturel, mais il est quand même là. Et naturellement, aujourd'hui, les marchés actions américains comme européens, ensuite, ne traduisent pas du tout, donc le nient complètement. Donc, premier élément, on a des niveaux de prix qui sont très élevés, qui n'intègrent pas ce ralentissement. Deuxième élément, quand on dit que l'économie chinoise ralentit, donc ça veut dire qu'elle importe aussi moins, elle importe moins, alors maintenant pour être plus focalisé plus sur les actions européennes et les marchés européens, eh bien, si elle importe moins, elle crée moins de richesses, naturellement, ça va impacter quoi? Parce que consomment, pour le coup, les Chinois, et qui est produit en Europe, ou qui est fabriqué par des sociétés européennes, qu'est-ce que c'est en premier chef? Les sociétés du luxe, hein, tout de même, qui ont été beaucoup portées par des économies, soit productrices de matières premières, soit chinoises. Aujourd'hui, les perspectives chinoises font que ce secteur, qui est déjà d'ailleurs un peu en souffrance hein, maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, donc le luxe européen, qui était à des niveaux de prix qui étaient là aussi très 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 élevés, bah, nous paraît quand même plutôt défavorisé. Donc attention, notre point de vue, c'est que sur les marchés actions occidentaux, américains comme européens, on est dans une phase de ralentissement interne, alimenté par une phase de ralentissement externe également, et qu'aujourd'hui, les cours ne le traduisent pas. Donc, on est plutôt négatif, en fait. Je pense qu'il faut être raisonnablement prudent vis-à-vis, en fait, des actions américaines comme européennes. Alors, ça, c'est pour les marchés occidentaux, très bien. Mais il faut qu'on évoque la Chine également, puisque la Chine a connu une correction boursière majeure. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit considérer, et ça c'est une question de court terme, que les mauvaises nouvelles sont intégrées. Et puis, au regard de tout ce que vous nous avez dit, est-ce que dans une allocation, la Chine change de statut? J'ai plutôt tendance à penser que dans la décennie précédente, on voyait finalement la Chine comme une sorte d'investissement stratégique. Il fallait en avoir coûte que coûte. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée à maturité finalement de l'économie chinoise, on n'est pas dans un autre rapport de l'investisseur
à la Chine, c'est-à-dire est-ce qu'on ne passe pas d'un investissement stratégique à un investissement tactique sur lequel il faut s'exposer, auquel il faut s'exposer selon les circonstances et la conjoncture, et parfois s'abstenir d'y toucher si la conjoncture n'est pas favorable. Alors, vous avez tout à fait raison, je pense, Vincent, et je vais faire appel à, pour l'illustrer. Je pense que donc, concrètement, vous avez raison. Il faut aborder en fait, le marché chinois de manière moins stratégique que tactique, où on est face à une économie qui a des challenges à relever. Attention, hein, et parfois, lorsque les marchés ont suffisamment corrigé, tout est déjà intégré dans les cours. Donc, vous avez une sensibilité aux bonnes nouvelles, même si elles sont faibles ou en faible nombre, qui va faire qu'il y ait une opportunité pour rentrer. Mais à l'inverse, face au challenge que rencontre l'économie chinoise, face à un nouveau niveau de maturité d'économie chinoise et niveau de taux de croissance potentiel qui seront plus faibles que par le passé, il est probable qu'il faut avoir une vision beaucoup plus tactique des marchés chinois que stratégique, à savoir ne pas imaginer qu'on puisse se laisser porter par une tendance qui sera strictement et éternellement haussière, tout simplement parce que c'est un pays qui afficherait des taux de croissance qui seront mirobolants comme par le passé. Ça, c'est terminé. Maintenant, là où vous me posez quand même la question plus du moment, à savoir conjoncturellement parlant, faut-il être finalement prudent vis-à-vis de la Chine? J'ai presque envie de dire, à un moment donné, encore une fois, le comportement d'un investisseur sur les actions, c'est pas, il n'attend pas que la nouvelle arrive pour, je dirais, se positionner sur le marché. Quand vous savez quelque chose de mauvais va arriver, vous faites quoi quand vous possédez en fait un titre? Alors que vous savez qu'en gros, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Vous le vendez. Vous n'attendez pas que la mauvaise nouvelle soit là pour le vendre. Eh bien, s'il fallait le caractériser, donc traduire en fait l'état du marché action chinois, c'est que tout le monde sait ce qu'on s'est raconté, encore plus les Chinois qui sont beaucoup plus lucides que nous sur leur situation réelle. Mais tout le monde, tous les Chinois et tous les investisseurs savent ce que je vous ai raconté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous vendu. Ils ont vendu. Ils ont tous vendu. Dans des proportions qui sont presque aussi importantes que le krach de 29 aux États-Unis. Pas tout à fait tout de même, mais presque. Moins 60% entre février 2021 et la fin d'année dernière. Moins 60% sur les indices chinois. Donc, à un moment donné, là, gros, tout a un prix. Et aujourd'hui, on peut estimer que beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans les cours. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez compris que notre point de vue, d'un point de vue fondamental, est évidemment beaucoup plus... assez raisonnable, assez conservateur vis-à-vis en fait du potentiel de croissance chinois et des challenges en fait qu'ils ont à relever. Maintenant, sur les marchés financiers, on estime que quasi toutes les mauvaises nouvelles sont déjà dans les cours. Donc aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à, en fait à ne pas vendre le marché chinois, mais à plutôt l'acheter. D'un point de vue tactique, il est probablement opportun en fait de recharger. Tout le monde a déjà vendu. D'ailleurs, je veux pour preuve, là je vous ai parlé des investisseurs chinois vis-à-vis de leur propre marché. Il n'y a pas que ça. Vous regardez d'ailleurs les hedge funds. En gros, du monde entier, avait évidemment joué, comme nous tous d'ailleurs, le pari des actions chinoises en tout début d'année, mais ils l'ont vite revendu, parce qu'on bien compris en fait que ça ne fonctionnait pas. Et donc, on est sur des niveaux de proportion des actions chinoises dans les portefeuilles des hedge funds internationaux qui est à des niveaux proches de leur plus bas. Là aussi, ça veut dire que tout le monde a déjà vendu. Donc, probablement, les nouvelles ou ces mauvaises nouvelles-là sont déjà intégrées dans les cours. Il ne faut pas toujours être contrariant sur les marchés, vous savez, hein. Il faut souvent se laisser porter et plutôt à aller dans le sens de la tendance. Mais là, en l'occurrence, on estime qu'il est probablement intéressant de devenir contrariant sur les actions chinoises parce qu'ils ont pris de tels gadins, ils ont de tels niveaux de valorisation qu'on intègre déjà la fin du monde sur ce type d'actifs. Bon, je vais synthétiser cette émission très riche. Hein. Donc, pour vous, idée force numéro une, c'est qu'on assiste à une normalisation post-COVID. La Chine a profité de l'effet d'aubaine, de l'explosion du commerce international avec une demande de biens soutenue de la part des économies occidentales au moment des confinements et de la fermeture des économies. Très bien. Donc là, on assiste à une correction. On a également un retour à la normale en ce qui concerne les tensions géopolitiques, car il faut se souvenir qu'elles ont débuté avant la crise sanitaire. Du temps de l'administration Trump. Et en fait, la détérioration ne fait que se prolonger. On retourne finalement au conflit larvé qui avait émergé à l'époque. La Chine a aussi le besoin de résorber sa crise du surinvestissement. Ça va prendre du temps. Les autorités font à peu près tout ce qu'il faut. Et en tout cas, elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour accompagner cette transition.
crise du surinvestissement qui se manifeste aussi au travers de la crise immobilière, donc qui a un impact certain et qui affaiblit la demande interne. Mais la demande interne, contrairement à ce qu'on peut lire et entendre, n'est pas en train de s'effondrer complètement. Elle est faible, mais elle n'est pas en train de s'effondrer complètement. Ce à quoi on assiste, c'est la mutation finalement, ou en tout cas l'acceptation que la Chine est en train de changer et qu'elle est passée d'une économie adolescente, pleine de vigueur, pleine de dynamisme, à une économie mature et qui a moins de vigueur naturellement, surtout qu'elle est confrontée à un enjeu démographique, un défi démographique même énorme, colossal, c'est le vieillissement de sa population, puisque on sait que la politique de l'enfant unique, vous l'avez dit, a créé un dividende démographique à un moment donné. Ça, je renvoie à la partie très intéressante que vous avez développée tout à l'heure. Et aujourd'hui, eh bien, ce dividende devient négatif. Et ça, ça va être dur à gérer. Quoi qu'il en soit, donc, on a une économie chinoise qui a certes des difficultés, mais ce n'est pas la catastrophe. Conséquence tout de même pour l'économie mondiale, elle perd sa locomotive, la locomotive des 10 dernières années. Ça ne va plus être la même chose. Elle n'a plus la même caisse, le même souffle. Donc, pour vous, ça permettra de résorber tout de même les tensions inflationnistes définitivement. Bon, ça, c'est un sujet, je ne vais pas y revenir parce que c'est un autre sujet. Et là, on a été suffisamment disert pour ne pas le développer aujourd'hui. Mais ça sera, on y reviendra ensemble, Pierre, parce que là, je pense qu'il y aura débat. Quoi qu'il en soit, bon, c'est votre scénario. Ça veut dire aussi qu'en termes d'activité, bah, il va y avoir un retentissement pour nos entreprises et nos économies, bien évidemment. Donc, les marchés actions, pour vous, en Europe et aux États-Unis, n'ont pas pris en considération cet affaiblissement de l'activité. Donc, ça veut dire attention. Vous considérez, ça vous nous l'avez déjà dit, que sur les marchés obligataires, on a une opportunité. Vous aviez parlé d'opportunité historique il y a quelques mois, quelques semaines. Et apparemment, vous restez sur votre ligne. Vous considérez que là, surtout si votre scénario est le bon, avec la réduction des tensions inflationnistes, il y a de l'argent à gagner. Mais vous avez bien précisé que sur l'obligataire, c'est de l'obligataire souverain et de l'obligataire d'entreprise, mais de très bonne qualité, c'est-à-dire de l'investment grade et non pas du high yield, du haut rendement. Attention au luxe, ça vous l'avez dit. Et puis l'autre idée force, c'est que la Chine doit changer de statut finalement. Ça, c'est ce que vous admettez, c'est que la Chine change de statut dans une allocation. On n'est plus sur une allocation, enfin un investissement stratégique, mais plus un investissement tactique. Et qu'aujourd'hui, a priori, la plupart des mauvaises nouvelles sont intégrées et qu'il est peut-être temps de se réexposer aux actions chinoises. C'est correctement résumé ? Bravo. Toujours le même talent de synthèse, Vincent. Merci, Pierre. Un vrai plaisir. En tout cas, merci pour cette émission très riche qui apporte, je suppose, enfin, je l'espère en tout cas, plein de matière et à réfléchir et à soupeser à nos auditeurs. Et Pierre, bah, je vous dis à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très vite. Merci Vincent, à bientôt.